clignotant quand ils vont à droite et à gauche. Et là, j'en vois mais un paquet qui ne marque pas leur direction à droite ou qui, quand ils doublent, ils doublent au dernier moment, ils ne marquent pas le clignotant. Il faudrait que les gens apprennent à faire ça un peu plus. Moi, je vois souvent sur les routes, les petites routes, tous les morts. Ça me glace un peu parce que je sais que c'est des jeunes à moto en général. Ou quatre jeunes dans un tunnel qui sont rentrés dans un mur. C'est la boisson et ça, c'est terrible. J'ai toujours dit, quand je faisais les boîtes de nuit à une époque, trouver un copain qui ne boit pas, qui vous ramène, mais ne conduisez jamais parce qu'on n'est pas à 100%, c'est pas possible. Un conseil, c'est de surtout être en maîtrise complète de soi-même, ne pas être fatigué, parce qu'on peut très bien s'endormir. Et puis, un détail aussi, la nuit tombe, on a souvent sommeil quand on n'a pas l'habitude de faire des grandes routes. Et puis, faire très attention à celui qui est devant, derrière, les rétroviseurs, les clignotants. Enfin, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir l'œil partout.